Je suis une semaine en retard, mais cela va sans dire que je suis vraiment hyped à propos de Darkness Ablaze. Faisait un petit bout qu'on avait eu un beau petit paquet de boosters de même. Mais on va le déballer! Hey, salut tout le monde, ici Megara, bienvenue dans le Unboxing Guys. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, parce que j'enregistre de nuit, puis des fois ça m'arrive aussi de poster mes vidéos en soirée plutôt que dans la journée. Donc, cette fois-ci, je vais dire, ce soir, j'ouvre une booster box de Darkness Ablaze. Puis ça faisait un bout que je sais, je suis environ une semaine en retard, là. On est le dimanche, le 22, 23, si je me trompe pas. Donc ça fait comme déjà 7, 8, 9 jours que Darkness Ablaze est sorti. Puis moi je fais juste une ouverture de ces cartes là aujourd'hui. Je sais, je t'entends. Mais qu'est-ce qui est pas pire, c'est qu'on le fait pareil. Donc, il me semble qu'il est un peu jaune ce paquet là, je trouve ça bizarre. En vrai, c'est super blanc, mais en avant c'est jaune. En tout cas, nul va sans dire que qui est mis en évidence dans cette série-là, c'est Eternatus, viens-tu me mêler, là? Bref, le légendaire, le big bad méchant, le genre de Necrozma, là, de Sword and Shield, Eternatus, me semble, qui s'appelle, c'est marqué ici. Ouais, là, je viens de vous faire un spoiler, hein? Ouais, ça va être dimanche prochain. Guys, vous savez déjà qu'il va y avoir un Elite Trainer Boss, c'est la suite logique des choses. Donc, comme vous devez le savoir depuis le temps, guys, avec les ouvertures de booster, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18, 18, 36, exactement. Donc, on va avoir 9 paquets que je vais décortiquer vraiment plus en détail, que je vais passer les cartes une à une. Après ça, on va juste aller vers les cartes intéressantes des boosters, parce que une booster box, ça peut faire des vidéos vraiment longues. Donc, moi, je veux vraiment tomber dans le vif du sujet. Puis, comme d'habitude, guys, je commence à l'ouvrir, là, mais je vous le dis tout de suite. La moitié des boosters est à vous, l'autre moitié est à moi. Il faut bien que je m'en garde un petit peu, mais je vous fais quand même en cadeau. La moitié des boosters, ça commence bien la série, une carte blanche. Guys, votre colle à vous. 1, 2, 3. On a une énergie de type Dark. Donc, qu'est-ce que ça va être pour notre premier paquet de Darkness Ablaze? On a Karrablast, Galarian Darumaka, Larvitar, Snikit, pas Snikit, mais Nikit, Band Sweet, ooh, Struggle Gloves, Combuskin, Puppetar, Reverse Holo, Aeron, avec un Reverse Holo vraiment typique de Sword and Shield. Puis je l'ai vraiment pas, je l'adore. J'adore toutes les Reverse Holo de ces séries-là, ils sont malades. Puis on a, ça commence bien la série, guys. Puis, j'allais dire comme d'habitude, mais non, comme d'habitude, c'est que j'oublie de préparer mes sleeves-là, je les ai. Je t'ai préparé ce fois-là, guys. Donc, on a pour notre premier ever booster de Darkness Ablaze, on a un Galarian Stunfisk V. Une carte V. Puis, guys, ça paraît que j'enregistre le soir parce que j'ai juste la lumière de la chambre. Puis, vous pouvez voir dans le reflet de la sleeve, vous pouvez voir le fan avec la lumière, là. C'est vraiment pas l'idéal comme éclairage, mais, guys, on fait avec ce qu'on a. Puis, je vais mettre ça ici, un petit dénivelé. Ma table est pas parfaite, pas égale. Donc, on continue. Il y a plein d'autres packs à ouvrir de Darkness Ablaze. Puis, ça rend un méga, méga heureux. Une autre carte blanche. Est-ce que c'est une autre série où il y a juste des cartes blanches? On va le voir. 1, 2, 3. Une carte de type énergie herbe. On a Morellal, Wishy Washy, Coffent, Dino. On voit bien où est-ce que j'ai juste un reflet. Ok, c'est parce que. Dino, Fancier, Heat Energy, Relicant, Zweilous, ouh, juste un autre Terrier ça, et un Darkrai, Holo, pardon. On va se lever. On va mettre juste ici. Yeah. Un Darkrai, alright. Alright, guys. Laissez-moi vous dire que la série bon trait. Elle va bon train, puis pas rien qu'un peu. Puis c'est peut-être bien juste parce qu'on était chanceux. Ah, c'est ça, il y a une carte verte. On pouvait pas continuer à avoir des cartes blanches, mais nos deux premiers paquets étaient des cartes vertes. Blanches plutôt. Là, il fallait qu'on porte une carte verte. C'était juste normal. On a une énergie de type
Electric. Oh non! Rookie D. Torchic. Trapinch. Jigglypuff. Ducklett. Semipore. Carvisquire. Lunatone. Ooh, ok. Reversal Feebas. Et un Galarian. Darmanitan. Le super bonhomme de neige. Explosif. On peut savoir quelque chose à propos de ça. Encore une carte verte, malheureusement, mais votre code est à vous. Parce que c'est votre code, pas le mien. Énergie de type Fighting, Ground, Rock. On a Golem, Vanillite, Trapinch, Pidgeotto, Pinsir, Ariados, Dugtrio, wow, Billowing Smoke. Ok. Oh, ça dans ces... C'est un peu bizarre. River Solo, Kling Clang et un Mark Tavish. Alright, un D, pas comment facile. La nouvelle gen. Mark Tavish. Alright, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je sais qu'on peut avoir des méga chances là-dedans. C'est une booster box. Il va avoir des cartes de malade. Pour l'instant, on a des cartes. On va y aller mollo. On commence la série. Ça a commencé vraiment en Bing Bang, par exemple, avec deux cartes vertes. J'ai dit feu. Mais! Deux cartes blanches, plutôt. Mais! Je sais pas dire qu'on va avoir notre lot de méga chance là-dedans. Donc, on a Diglett. C'est quoi, en fait? Shelmet. Quelque chose d'autre, en fait? Penpour. Pidgeotto. Dugtrio. Rare Fossil. Semisage. Rare Solo Gotita. Et un Galarian. Surfetched. Ça devrait être juste appelé Surfetched. Parce que c'est pas... Il y a pas d'autre style de Surfetch autre que le Galarian so far. Je me demande vraiment pourquoi que... qu'ils disent comme ça. Une carte blanche. Ça, c'est pour vous, guys. On a aussi une énergie de type... Ouh, Psychic slash Poison. Qui va juste là. Donc, on a Galarian Mr. Mime. Grimer. Clink. Est-ce qu'on a un focus? J'espère qu'on a focus. Alright. On a Skiddy. Vansage. Simisear. Leyran. OPC. Ouh, Rear Solo, Leyran. Et. Ouh, c'est ça. Je l'avais. Eternatus. Eternatus. V. Alright. Ça va bien, guys. Cette série-là. So far. Est-ce qu'on peut l'avoir un peu? Comme ça. Alright. On va se faire de la place éventuellement. Guys. Il nous reste 3 packs, après ça on passe à la vitesse grand V, c'est-à-dire à la recherche des cartes intéressantes de cette maudite boîte de booster là. Pas de code à vous, guys. Puis on a une énergie de type. Ouh, Steel, alright. Sur cette lancée, avec les Run, Aeron, puis énergie de type. Steel, on a Aeron, Rookie D, Wishy Washy, Pansage, Tauros, Ursa Ring. Eat Energy, Semisir, River Solo, Semisir et un Galarian Darmanitan. Guys, je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de passer à la vitesse grand V pour voir ce qui se cache dans tous ces beaux paquets. Ah, on peut pas juste prendre notre temps avec une booster box, guys. Puis déjà que tu sais, je regarde ça, je suis quasiment déjà rendu à 10 minutes d'enregistrement en tout. On peut juste pas. Pas faire une ouverture normale en regardant toutes les cartes d'une booster box parce que ce serait juste interminable. On a énergie de type Water, on a Penpour, Spinarak, Dark Spinarak aussi. Ok, Vansweet, Vansparce, le jour où ils vont sortir une évolution en Vansparce, va être parfait. Electrike, Shinedic, pardon, Ursa Ring, Rose Tower. Rear Solo Wimpod et un Wigglytuff Regular Rare. Dernier pack à décortiquer. Puis, on y va. Vite. Bing, bang, bing. Une carte blanche. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce dernier paquet de suspense? Une énergie de type Dark. Qu'est-ce qui nous attend? On a Vansage, Electrike, Fleshling, Galarian Mr. Mime, Torchic, Solrock, Steeny, Old PC. Ouh, ok. River Solo, Old PC. Hey! Alright, Golly Spud. Yeah, alright. Un beau petit holo.
J'espère qu'on n'aura pas juste des holos. Je veux quelque chose d'intéressant dans cette maudite boîte là. Vitesse grand V, guys. On a fini de niaiser. C'est là que ça se passe. Carte blanche. C'est encore dans votre code. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Pure Solo, Copperaja, puis ouh! On a un Scissor VMAX ici. On a un Scissor VMAX. Full Art. C'est un Full Art. 119 sur 180. Non, c'était même pas un Full Art. Je pense que c'est juste un VMAX. Ouh! Ça a tombé tôt. Je pense que c'est juste un VMAX normal. Mais quand même. Ça là, quand on va finir cette pile là, les codes vont être à moi. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte verte, malheureusement. Mais on a Reverse Holo Linatown, alright. Puis un Leapard, Regular Rare, Big Parasol, alright. Je vais tenter là aussi une fois de temps en temps pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose de tape à l'œil de la nouvelle gen. Blanche, guys, carte blanche. On a Reverse Holo, Trapinch, puis ouh, Galarian, Slowbro, avec une énergie électrique, ouh, Cape of Toughness, nice, qu'est-ce que ça fait pour 50 HP, ouh, okay. Nice, on a Galarian, Slowbro, V, j'ai pas ça, c'est dark, c'est dark, juste ici, come on, come on, come on, come on. On peut en avoir d'autres. Une carte verte. Dommage. Mais je sais qu'il va y avoir d'autres méga chances éventuellement. Ok. Un Dracovish. Reverse Solo. Lugia. Alright. Lugia. Regular Rare. Je le type Fighting Ground. Tapatante. On veut quelque chose d'intéressant, guys. Je sais que vous autres, vous voulez des codes là. Ouh, carte blanche. Alright. Moi, je veux des cartes intéressantes. Comme genre, Reverse Holo, Diggers B ou Diggers By. Bref, peu importe comment c'est ce que vous. Ouh, vous l'appelez. Je le type feu, je m'en fous. Ouh. Nice. Yell Horn. Nice. On a Rose. Rainbow Rare. Alright. Alright. Rose Rainbow Rare. J'aime pas ça, guys. On peut-tu jouer ça? On peut ça. Regarde bien comment je vais vous arranger ça. Les bagnings. On va mettre ça tout beau. Comme ça. On va mettre vos codes un peu plus montés là. Et voilà, on peut juste pas bouger le setup. Alright. Donc. Guys, on a déjà notre Rainbow Rare. Puis on n'est même pas rendu à la moitié. Encore carte blanche. Boîte de l'enfer! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bird Keeper, Reverse Holo et. Wouhou! Alright! Ok, c'est une boîte de l'enfer ça! Vraiment une boîte de l'enfer! On a une Full Art! On a Kaboo! Kaboo! En Full Art! Alright, ça rentre ici en plus! Yeah! Man! 7! Wow! The Booster Box! C'est ta Booster Box là! C'est ta boîte de Booster! C'est ça que je voulais dire! Une carte verte malheureusement. Ce boîte là est vraiment malade. Morelol, Reverse Holo, on a un Gotitel, Regular Rare. On va s'appeler l'énergie verte là. Wow. Décidément, 7 boîtes. Hey, l'enfer. Checkez-moi bien. Pognez juste des cartes vertes à partir de ce moment là. Un Coffin, un Reverse Holo, Muck. Alright, prendre une carte d'énergie. C'est haut. On arrive malheureusement à la moitié déjà de notre booster box de Darkness Ablaze. Puis qu'est-ce que ça veut dire, guys? C'est que ça, c'est votre dernier code à vous. Le reste va être pour moi. Reverse Holo, Vanillish, Corona, Regular Air, comme énergie de type Dark. Ouh, Gloomwood Tangle. J'adore ça, ces cartes-là. Ok, guys, à partir de ce moment-là, tous les codes qui vont sortir sont pour moi. Ah donc, ça c'est un paquet là. Je vais en mettre ici. Oh. Les codes, je vais me les réserver. Désolé encore, guys. Ça c'est la vie de l'eau.
là. Wow, wow, slow bro. Scam bro. Scam. Ok. Attends. Une carte verte. Malheureusement. On a Versolo Semi-Four. Et on a un Mimikyu Regular Rare. Je sais. Trick. Ok, alright. Guys, je me suis lancé là-dedans, là, mais j'ai même pas regardé les arts de ces paquets-là. Je vois qu'on a un Tyranitas. J'ai vu un Charizard. J'ai vu un Grimmsnarl. Il y en a un autre. Que, ouh, une carte. Reste à voir c'est quoi le dernier art de ces paquets-là. Donc, Ursolo Meltan, puis on... Ouh, on a un Butterfree V-Max. Alright. Alright, laissez-moi sleeve ça. Mettez ici, Butterfly. V-Max. Wow, wow, wow. Wow, wow, ok, je suis trop... Ah, c'est ça, Sizzlepede. Sizzlepede, le dernier qu'on a. Donc, on va passer toutes nos hearts de booster. Reste à essayer de trouver les meilleures cartes dans tous ces maudits boosters-là. Puis encore... Ah, attends-moi! Il y a encore une carte blanche. Yeah, yeah! On a... Oh, Snubble, Ursolo, puis un Doucy Duvai. Ah, un Doucy Duvai. Alright, encore la Cap of Darkness. Hey, nice. Doucy Duvai. C'est moi qui était pas dans... Moi qui l'ai ajouté dans... Aussi, là, il était pas en son initial. Mais, ça fait quand même une holo de plus à la collection. Puis ça, on est pas fâché de ça, guys. On a une carte verte ici. Donc, Reverse Holo, Grimer. Puis un Dracozolt, Regular Rare. Ils ont vraiment beaucoup ajouté les fossiles là-dedans. J'ai pas ça. Little Wings. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Comment? Carte verte, malheureusement. Mais l'Air Solo risque d'être intéressant. Peut-être. Wishiwashi. Un common. Non, c'est une common. Pardon. Plus un T-Vol Regular Rare. Steenie, Ferret, Yellhorn. Ainsi va la vie. Alright. Encore une carte verte. Je suis un peu déçu. Je sais qu'on peut en avoir d'autres. Je sais qu'on peut en avoir d'autres, guys. Air Solo Staravia. Puis un Melmetal Regular Rare avec une énergie de type Dark juste ici. Spike Mud. Ah, un stadium. Alright. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de pas fait? Encore une carte verte. Je suis un peu déçu. J'ai mon. J'ai pour mon dire, d'après moi, j'ai la foi. Ursolo Galarian Darmaka. Regular Rare Granbull. Énergie de type Grass. J'ai la foi qu'on va retrouver une coupe de méga chance avant la fin de cette Booster Box Club. Je suis pas mal sûr. Ah, on verte. Mais, Ursolo est. Ouh, nice. Est un Ampharos. Puis, on a un Vanilluxe Regular Rare. Alright. Je peux pas m'empêcher quand même de regarder un petit peu les cartes qu'il y avait dans le paquet. J'aime ça quand même. Mais, je sais que pour vous, guys. C'est intéressant. Dans une booster box, c'est pas de regarder toutes les cartes. Enfin, une carte blanche! Toutes les cartes! Mais bel et bien de voir qu'est-ce qu'on a comme pool éventuellement. Puis, bien entendu, vos codes à vous, mais là, sont terminés. Fait que. Faut endurer ça. Serenity un Reverse Holo, puis un Butterfly V. Alright, ça va bien aller avec le Butterfly V Max. Pas déçu, guys. Pas déçu. Laissez-moi sliver ça. Alright. Comme seulement, là. Et Booster Box, je viens avec tous ceux jusqu'ici. En 4 rares, soit Holo, soit EX, toute la patente dans le temps. Hein. Et là, c'est les V Max, les Full Art, les Rainbow Rare, etc. Carte blanche, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ça va être encore Holo. Galarian Mr. Mime, puis 1, et voilà. Sans Holo. Toxtricity. Toxtricity, alright. Je l'aime, Top Tricity. Un gros petit holo. Un autre drette là. Il rentre-tu dans le frame? Ben oui, il rentre dans le frame. Alright! Je suis vraiment hype à propos de Darkness Ablaze, guys. Je sais pas pour vous, là, mais moi j'ai encore une carte blanche. Puis la méga chance continue! Je suis hype! Reverse Holo Golett! Puis un Kangaskhan! Oh, il est fat en plus! Un jeu de type
Electric. Ah, il est nice. Je pense que je vais juste vous montrer un petit peu, là. C'est un holo. Il est fat, il est beau. Je l'aime, cette art-là. C'est le art de qui? Illustration par... C'est mon focus. Focus. Je vois rien. Je vois rien. Kawaya? Kawaya. Kawayou. Kawayou. C'est ça. Qui est Kawayou? Bref, il a fait un Kangaskhan. Vraiment hot. Et je l'aime bien. Alright. Il nous reste pas beaucoup de packs, guys. Est-ce qu'on peut avoir encore des méga chances puis des méga chances? Je pense pas pour ce paquet-là. Mais, on va bien voir. On a. Wigglytuff. Un jeu solo, un Mimikyu, un jeu de type Ground, Rock, puis Fighting. La pile de Bulk s'en vient un peu haut. Bientôt, elle va être de la hauteur de la caméra ici. Ça va être drôle. Je penserais pas, mais quand même. Énergie de type. C'est à voir, on a une carte verte. Je fais ça dans le mauvais ordre. On a un jeu. Ouh, un jeu solo Lugia. Nice. Swanna. Énergie de type. C'est ça que je voulais dire tantôt. Ouh, ok. Jeu solo Lugia. Très content de cette carte-là. J'aime ça, ce genre de jeu solo. Une carte un peu rare, là. Ok. Je peux-tu l'ouvrir, ce pack-là? Ah, merci. Alright. Carte verte. On a Vanilluxe, un jeu solo, plus un Nidragon, ou Regular Rare. Nidragon, c'est un de mes Pokémon préférés, Black and White. C'est nice. C'est vraiment nice. C'est un dragon vraiment nice, je l'aime. Yeah, carte verte, carte blanche, voyons. C'est blanc, mes gars. Tu t'as pas besoin de faire le card trick parce que tu t'en vas directement à la fin. Jeu solo Starly. Alright. Avec un Tyranitar en holo, ok. Là, ça va faire les holos, là. Si on est pour repogner d'autres cartes blanches, j'aimerais bien ça que... Ouais, faudrait que je la stèle, là. J'aimerais bien ça que ça soit d'autres choses que les holos. Faut que je les aime pas, là, mais... Bon, ça sert à la collection, quand même, là. Mais, comme j'ai déjà expliqué, les cartes holos à cette heure, ça vaut plus rien dire. Avant, ça voulait dire... Ça voulait dire de quoi, puis c'était le fun. C'était qu'est-ce qui était rare. C'était comme nos full art, puis nos secret rare, puis nos rainbow rare. Full art, toute la patente, là. Comment vous en faire ça? On passe à la vitesse grand V. Jeu solo Sol Rock, alright. Puis un Melmetal. Regular Rare. Regular Rare. Ok. Donc, ouverte encore. Peut-être que le dernier paquet nous réserve un bang. Mais pour l'instant, on a un Rowlet, un jeu solo. Puis un Galarian Darmanitan. Un jeu de type Dark. Dernier pack, guys. Dernier pack pour avoir un bang. J'haïrais pas une Rainbow Rare ou une Full Art. Ah, même une VMAX. Est-ce que ça se peut? Oh, peut-être. Peut-être! J'aime ça quand ça finit de même. Ça finit avec un bang pour vrai. Pas une holo, come on, guys. River Solo, Loresta. Qu'est-ce qu'on a? Quand même que ça serait une vie, je serais content. Alright! Alright, on a une énergie de type Grass direct là. C'était une carte. Ah, je l'ai même pas enlevé ma carte. Ah. Alright. Une carte en Doom. Vie! Très content. Très content, guys. Je sais pas pour vous, mais cette booster box là, elle va être très profitable. Puis je suis juste hype à propos de Dark Mesa Blaze qui commence à peine sur le channel. Je sais, je suis une semaine en retard. Faute d'horaire, j'ai pas pu enregistrer avant. Donc, guys. Si vous avez aimé, laissez un like, un comment, abonnez-vous, touchez pas sur ce vidéo, vraiment apprécié. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo pour plus d'unboxing. Guys, tant que ça blesse, c'est là. Hype. Bye.